Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance jaune canicule pour le sud de la wilaya de Skikda, le sud de Annaba et aussi le sud de Taraf où les températures ont atteint les 40 et même dépassé les 40 degrés. Et aussi une vigilance jaune pour des pluies orageuses sur la wilaya de Tamanrasset et à Adra où des pluies étaient localement assez marquées. Pour demain, eh bien, on aura de la brume en début de matinée avec des nuages bas sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et le ciel restera passagèrement nuageux à partiellement voilé avec un temps lourd et un taux d'humidité assez élevé, pouvant même atteindre les 80% vers ces régions. Toujours des passages nuageux sur les hauts plateaux de l'ouest, le centre également l'est du pays avec des foyers orageux qui peuvent engendrer aussi quelques averses durant l'après-midi. La moitié sud, toujours un ciel partiellement voilé avec des foyers orageux tout au long des frontières algéro-maliennes, le Higar et le Tassili qui peuvent aussi engendrer des averses par endroits et aussi une tendance orageuse sur le sud-ouest, plus exactement Tindouf et Bécha. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie vers le Sahara central, le Nord-Sahara, les oasis, également le Sahara oriental, avec des soulèvements de sable cette fois-ci vers les oasis et le Sahara central. Les températures durant cette nuit et au lever du jour, eh bien, elles seront comprises au nord entre 21 et 26 degrés. Vers la moitié sud, 28 à 30 degrés de la Saoura vers les oasis, 22 le Higar et le Tassili, 29 l'extrême sud et enfin 32 degrés Tindouf et le Sahara central. La journée de demain, eh bien, les températures accusent une toute légère baisse par rapport à aujourd'hui, avec un 30 degrés sur Alger, 33 à Tlemcen, 34 à Ouran, 35 à Al Biyad, Djelfa, également Batna, 39 à Tizi Ouzou, 33 degrés à Annaba, 38 à Constantine, au sud, 40 degrés à Béchar, également Tamanrasset et Djanet, 43 vers Biskra, 44 à Ilizi, 45 l'extrême sud et enfin 46 degrés, toujours le maximum, à Tindouf, Adrar et In Salah. L'état de la mer pour demain, eh bien, on aura une mer plutôt calme sur les côtes est, mais peu agitée par contre vers les côtes ouest et centre, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 30 km/h près des côtes ouest et centre et 10 à 15 km/h près des côtes est. Et on va voir maintenant, on va faire un petit voyage du côté de l'Asie où le ciel restera plutôt passagèrement nuageux, accompagné de quelques pluies à New Delhi, Dhaka, également un ciel partiellement voilé à Pékin, mais dégagé du côté de Tokyo, plutôt voilé à Bangkok. Le mercure affichera 34 degrés à Pékin et Tokyo, 29 à Hong Kong, 31 à Manille, 32 à Dhaka, 31 degrés à New Delhi et enfin 29 degrés à Singapour. Et bien sûr, un terme subitain avec l'éphéméride pour demain vendredi 14 août. Le soleil se lèvera vers 6h05 pour se coucher à 19h39. Et pour davantage d'informations, vous avez toujours les sites de Météo Algérie. Passez une excellente soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et bon week-end.